Coucou mes chéris, allô, ici c'est Barbie Chétif à l'appareil pour cette troisième et avant-dernière partie du premier épisode de Balade de Santé. C'était long mais il fallait y arriver. Donc Balade de Santé pour ceux qui n'ont pas suivi les deux premières parties, donc je fais vite, et ceux qui n'ont pas trop compris l'intro. Donc je... voilà. En fait moi je suis un très... Le but de l'émission c'est de montrer en fait l'apprentissage en temps réel... et d'une traite ou en deux traites sur un jeu assez hardcore, ou plutôt dire en tout cas ardu, et par un joueur lambda, c'est-à-dire un joueur qui pas spécialement pas spécialement mauvais mais pas franchement pas grandiose. Voir si justement on y arrive à finir un jeu hardcore. Ah, donc aussi oui, je voulais rétablir un petit peu les... Voilà. En fait, dans les deux premiers épisodes, je disais qu'en fait, je m'étais basé par comparaison avec l'avancée de... notamment de Cœur de Vandale dans l'émission de ce jeu, mais dans la version NES. Et moi, j'avais trouvé, quand j'avais vu le premier épisode, que finalement, ils jouaient pas si bien que ça, ils étaient assez lents au niveau de leur progression. Et en fait, il y a une personne qui m'a fait remarquer... à juste titre qu'en fait non, c'était pas pareil parce que au niveau de la difficulté, parce que quand on perdait toutes ses vies par exemple sur le château, qu'on reprenait un continu, ben ça sauvegardait mais au tout début du monde, donc on doit se retaper le monde 1. Car si là je perds à 7-4 dans la version NES, je reprends au 7-1, donc il faut tous retaper tous les niveaux, alors que là c'est beaucoup plus facile et donc plus rapide finir le jeu, vu que quand on meurt au 7-4, on reprend le continu, on reprend au 7-4. Donc ça veut dire que bon, ben, finalement ils sont meilleurs que moi. Donc je reconnais que j'étais trop... Aussi ça me disait comment ça se fait que moi qui suis pas si bon que ça, comment ça se fait que j'aille, oui ça se dit, c'est le bon concordance des temps, c'est que j'arrive à aller, ouais, ça se dit encore moins, que j'aille plus vite qu'eux, en tout cas pas plus lentement. Là par exemple, je savais pas que si je m'étais dans le coin, j'étais pas sûr que si j'étais dans le coin, je pouvais éviter. Donc j'ai mis du temps pour comprendre. Alors qu'en fait, il faut juste être dans le coin et ça passe. Parce que finalement, la hitbox c'est pas la même que visuellement. Des fois, on frôle quelque chose, on est traversé par le coin du pif par exemple, et en fait, on n'est pas touché. Là aussi, j'ai eu beaucoup de mal en fait à savoir quand il fallait sauter, parce que le fait qu'il y ait la flamme et que les trucs tombent, on croit qu'on n'aura pas le temps, donc on se précipite alors que c'est tout con, mais on met du temps justement à le découvrir. En fait c'est là, voilà, et hop, c'est maintenant qu'il faut sauter. Oui, quand on le prend comme ça, c'est très facile à faire. Donc ça c'est un des niveaux, ça fait partie, ils sont maintenant à partir des niveaux 7 là. C'était assez fastidieux. À part un des mondes, je sais plus lequel, mais à partir de maintenant, c'est vrai que ça va être le, franchement, la vraie balade de santé, du style chaque niveau, je vais y passer une demi-heure. Et donc, il y a toujours des phases où, par exemple, ça, plusieurs fois d'affilée, on va réussir à le passer les doigts dans le pif. Sans gadget, et après par contre je sais pas pourquoi d'un coup on n'arrive plus à passer et on perd connement sur la partie qu'on avait pourtant réussi à dompter précédemment. Donc là en fait il faut vraiment pas passer en bas. J'ai essayé, je sais pas si j'ai essayé avant ou après, de faire tomber la carapace et de suivre la carapace, mais vu que ça va trop vite et qu'il y a des carapaces hors de l'écran, sur des ennemis hors de l'écran,
les ennemis noirs là, et bien en fait ça, on pourra pas sauter par dessus, donc on ne peut que mourir si on passe en bas. Alors là, aussi autre difficulté complètement stupide pour moi, voilà, c'est que je me suis fait, j'ai pas trop compris l'histoire du tempo des flammes. Et à chaque fois que je me dis non, j'attends, alors quand j'attends, ça passe pas. Et dès qu'on dirait que l'ordinateur, il sait que dès que je vais bouger, il va envoyer la purée et j'aime le prendre. Et là, ça commence, on a, je sais pas, j'ai reperdu le fil, quoi, vu que c'est une histoire de rythmique. Quand ça veut pas, c'est pénible, hein, alors que j'étais tout... Parce que c'est pas un saut franc, quoi, que je fais. On voit que je saute et qu'en même temps, je recule. Donc c'est sûr que dans ces conditions... Ça sert à rien, là, de prendre beaucoup d'élan. Bon, il faut quand même en prendre un peu, parce que là, on voit que je peux aller assez vite. Il faut juste prendre de l'élan, la longueur, en fait, de la... Comment on appelle ça, ces flammes tournoyantes, j'arrive pas à trouver le vocabulaire de ces barrières enflammées qui tournent. Bon, par contre, après, il faut pas se tromper. C'est pas au premier qu'il faut sauter beaucoup, c'est au deuxième. Au premier, il faut vite sauter pour arriver à la plateforme, pour pas que l'autre elle soit trop basse, parce qu'il y a pas plutôt qu'elle soit trop haute, parce qu'il faut que elles ont pas quasiment toutes le même rythme. Il y a un décalage entre la 2 et la 3. Donc il faut profiter de ce décalage. On croit qu'on pourra jamais passer, mais en fait non, c'est possible. Si on a assez d'élan quand on est sur la deuxième plateforme ascendante ou plutôt descendante, voilà, c'est là qu'il faut prendre l'élan et après c'est bon. Après c'est facile, c'est juste le passage entre la deuxième et la troisième qui est assez délicat. Mais c'est fait pour quoi ? On pourrait croire que non. Que c'est trop dur, qu'il faut être un super pro. Non, en fait, c'est assez. Si on comprend un peu le. Là, j'ai fait n'importe quoi. Je faisais trop tôt, parce qu'on a toujours peur de se prendre la barrière enflammée. Alors qu'on a le temps. Si on a bien. Voilà, j'ai mis du temps, mais bon, c'est passé. Comme quoi, vous voyez, on peut un peu se tromper. Genre perdre du temps, être ralenti bêtement et ça passe quand même. Donc ça veut dire que c'était fait exprès quoi, c'était pas... ça peut impressionner au départ, mais si on a bien hiérarchisé, mais on a bien séparé les différents obstacles, les différentes phases, en fait ça passe facilement. On est transpercé un peu par le bout du pantalon quand on par la flamme, mais en fait non, on n'est pas touché, alors que la version, je pense, NES, visuellement on le verrait pas ça. Je pense que sur la version NES, comme c'est vraiment du pixel près quoi, c'est visuellement, je suis sûr que le pixel, on sait quand on est touché quoi. Là c'est pareil, c'est une histoire de tempo. Là j'étais content, ouais, j'étais passé, mais après, c'est le problème, c'est ça quoi. Oui, là tant qu'il a cette distance, voilà, là j'aurais dû passer, mais j'ai complètement oublié. Et merde, là je me suis fait, j'étais trop obnubilé par les marteaux qui tombaient, qui étaient en train d'être jetés, mais j'ai pas fait gaffe qu'il y avait un qui traînait encore au sol, parce qu'ils tournoient et ils vont pas vraiment à la même vitesse et... Ils flottent longtemps dans l'air, quoi. Donc, on croit qu'une fois qu'ils tombent, c'est bon, ils vont prendre de la vitesse. Et qu'ils sont lancés en cloche, on croit, comme dans la vie, quoi. Quand on l'envoie en l'air qui tournoie, bon, il met du temps, il flotte un peu, et une fois qu'il tombe avec le poids, mais là, non, il garde la même. Du coup, il garde la même vitesse un peu lente, flottante, quoi. C'est comme un ballon flottant au foot. Quand on brosse un ballon, j'imagine, ça flotte un peu en l'air. Et là c'est pareil, donc je me suis fait avoir, c'est con parce que là j'aurais pu gagner et là je sens que je vais être reparti pour encore une demi-heure de stagnation, c'est gonflant, alors que j'étais tout proche de le finir à ce niveau quoi, en tout cas ce monde, parce que là quand j'ai fait ça j'étais déjà à mes
Parce que j'ai vu une première partie d'une heure d'affilée. Puis après, la partie 2, c'est une heure. Donc là, j'avais déjà 1h10 le deuxième jour, c'était. Donc 1h10, j'étais déjà 1h10 de jeu. J'en voyais plus la fin, quoi. Voilà, là, c'est chiant, quoi. Si j'ai... On dirait qu'il a su, qu'il a attendu exprès que je ressorte, que je me dise là, c'est bon, je vais pouvoir passer. Et c'est bien dosé parce que c'est pas non plus. Oui, en fait, il y a trois obstacles. Merde, là, j'ai sauté trop tard. Finalement, bon, il y a trois ou quatre difficultés. Et c'est assez. Quand on a compris, c'est assez facile à passer, mais bon, il faut mettre du temps. Après, il faut être bon, il faut avoir la. Il faut être bon. Putain, ouf. Il faut être constant, quoi. Il faut avoir le. Il faut réussir les 4 ou 5 phases là, bon, ça, c'est facile, mais après il y a des trucs qu'on se dit, mais c'est con d'avoir mis ça là, finalement il n'y a pas trop de difficultés, mais c'est fait exprès pour qu'on garde en fait le. Voilà, erreur con, vous allez voir ça. On n'a pas le temps, ça sort de l'écran et voilà, et lui on fait comment? Et voilà, on peut pas reculer. Donc il y a des erreurs, il y a des trucs, des passages faits exprès tout bêtes où on relâche la pression du slip, et en fait non, c'est pour qu'on garde notre. Garder notre vigilance tout le long, quoi. Et ça qu'après, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est dur à gérer. Il y a des choses plus dures à gérer dans la vie. Alors, étonnamment, le truc qui m'a un peu étonné, d'où l'étonnement, c'est qu'en fait, j'étais pas trop crispé, quoi. Je sais qu'à l'époque, quand j'étais petit, c'est que quand je jouais à Faxanadu, je sais plus à quel jeu, sur NES. En fait, c'est là que j'ai expérimenté le balançage de manette à travers la chambre. D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas Angry Video Game Nerd et consorts. Mais tout le monde a fait ça, quoi. Quand on est énervé, on balance. Mais vraiment, quoi, je balançais même, je l'ai tordé en deux, quoi. Ça reste entre nous, mais quand on est énervé. Vous prenez la manette de la NES avec les deux mains et en fait vous faites une espèce de coup de boule répété. Vous voyez le truc, quoi, le pour vraiment qu'elle comprenne la manette qui est le patron, quoi. Mais là ça fait un moment que j'ai plus fait. Là j'étais étonné parce que j'étais assez cool, pourtant j'avais pas rien fumé, ça, moi je fume pas. Et c'était en plus en plein milieu de la journée, quoi, donc on est au moment où on est un petit peu encore de l'énergie, je veux dire. Et en fait, non, bah, je me disais, eh merde, j'ai perdu, mais finalement, je l'ai bien pris, alors ça m'a étonné. C'est peut-être pour ça aussi que je suis allé un petit peu plus loin. Parce que j'ai pas trop, je me suis pas trop braqué contre la manette. Vu que maintenant, je sais, sans, à l'époque, c'était complètement con de faire ça, parce que vu le prix que ça coûtait, quoi, je sais pas, c'était super cher quand même. Maintenant, on a toujours. Voilà, bravo. On a toujours maintenant le marché de l'occasion, quoi. On peut, si on est un petit peu patient, quelque chose va baisser, on sait qu'on l'aura. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était presque des objets uniques sacrés. On se disait, il faut pas rater le coche, quoi. C'est maintenant ou jamais, quoi. De toute façon, il n'y a que ça. Là, c'est chaud, là. Donc voilà, mais à l'époque on n'avait pas trop le. Il y avait que ça de toute façon, donc c'était où on casquait ou on n'avait rien. Donc c'est quand même bête, quoi. D'à l'époque j'aurais pu péter là, c'était costaud, quoi. Nintendo c'est costaud. Mais les coups que j'ai foutus à ma manette, c'était les Zidane avant l'heure, quoi. Mais c'est quand même stressant, c'est au niveau des. Moi je sais, alors je sais pas vous, mais moi quand je joue comme ça là et que je stresse et tout, il y a beaucoup de pression dans les abdominaux, quoi. Après c'est comme si j'avais fait 200 ou 300 séances d'abdominaux, quoi. Ça tient le stress, quoi. C'est assez rageant, et bon, c'est rageant dans le sens rigolo parce que je me disais, mais t'es con d'avoir raté ça. Et putain, après ça. Après on a les tablettes, quoi. Et merde, là j'ai pas vu, là je l'ai pas vu venir. D'habitude c'est un petit peu après que je me fais avoir connement.
Mais là, comme on dirait l'autre, elle m'a accueilli. Ah, combien de tentatives j'ai dû faire, quoi. Et encore, lui, c'est pas le pire. Hein. C'est par la suite, je crois que le niveau, je sais plus lequel, c'est peut-être le 8-1, vous verrez. Putain, mais comme ça m'a gonflé. À côté, celui-ci est super facile. Hein. Maintenant que je le revois avec vous, je trouve que c'est un niveau assez... Il n'y a que l'histoire du tempo avec le Bowser, là. Vu qu'il faut gérer le moment où les flammes tournoient, la flamme... La boule de feu, le truc tournoyant, la barrière de feu. Voilà, là, complètement con, j'avais bien passé et là, je me suis fait toucher. Voilà, en vrai, bon, ben là, cœur de Vandal et l'autre, et Real Myop, eux, ils devraient se retaper le 7-1. Donc, c'est sûr que c'est pas étonnant que je vais un petit peu plus vite qu'eux. Parce que là, c'est clair que je pourrais pas, quoi. Je pense pas pouvoir finir le jeu dans la version NES. Je pense que c'est pas, j'ai pas encore le niveau là. Là, c'est trop fort de café. Olé. Voilà. Je voulais la préparer et en fait, elle est bien tombée. On me dit ça finit par rentrer, quoi. Mais c'est fou, quoi. Donc c'est sûr que maintenant, avec cette, si on prend en compte ça, dès qu'il faut se retaper tout le niveau, c'est vrai que c'est pour l'époque, c'était quand même dur. Sans même pour maintenant, c'est là, c'est un peu légèrement abusé. Bravo! Légèrement abusé, quoi, de se retaper. En même temps, c'est comme ça qu'on forge les bons joueurs après. Moi, à l'époque, je jouais quasiment. À l'époque, je crois que je finissais aucun des jeux. Hein. Même, je suis sûr que Double Dragon 2 sur NES, même en niveau facile, j'ai jamais fini parce que quand l'autre fois j'y ai joué, je crois qu'il y a 6 mois, j'ai mis en mode facile et j'ai vu la fin. Bon, même si c'est une fausse fin, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu cet écran qui te dit bon, ben maintenant il faut que tu choisisses le mode difficulté normal si tu veux voir la fin. Et moi, même à l'époque, j'avais pas réussi quoi à voir ça. Parce que j'avais pas compris l'histoire des sauts. Parce que normalement il y a un passage avec les tapis roulants, je sais plus quoi là. Une salle qui est des tapis. J'avais rien compris. Donc c'est sûr que ça laisse des traces, quoi. On peut pas. Quand on est vraiment pas aidé par la nature au départ, c'est sûr que c'est difficile après de. Je crois que c'est où on est bon dès le départ au jeu. Après la progression est difficile. J'aimerais bien passer ce niveau-là parce que ça fait déjà 20 minutes, sachant que... Bravo! Je pense que dans la partie 2, il y avait déjà le monde 7-4, donc ça va faire là maintenant la demi-heure que je suis sur un seul niveau. Ça commence à faire long. Sachant qu'après, je dis... Bon, même si psychologiquement, plus j'avais... On est en mode confessionnal de Secret Story. Je me disais, au moins la carotte, c'était de dire on va arriver au dernier monde. Même si par la suite, après, j'ai su que. Ben non, il y avait après le monde 8, ben il y a le monde A. Et bon, de sauver la. Quand on finit le monde 8, bon, on a sauvé la princesse. Donc pour moi, c'est comme si on avait fini le jeu quand même. C'est on a fini l'intrigue principale. Après, c'est que des niveaux bonus. C'est cadeau. C'est cadeau cousin, quoi. Après, par contre, il y a une bonne délivrance quand on a réussi à torcher Bowser. Putain, là, j'aurais pas dû sauter. J'ai sauté vraiment à l'angle fermé, quoi. J'aurais dû sauter ou avant ou après. Là, je sais pas comment eux, ils calculent si c'est par... Ouf, putain, là, j'ai eu du cul. J'ai eu du cul, Châtel. Je sais pas comment ils font. Voilà, c'est chiant là. On est tout près, on se dit putain, on est à 20, à 3 cm. Il faudrait qu'ils viennent tout à droite. Il faut gérer cette. Putain, là j'ai eu du cul. Hein. Je vous dis là, c'était trop lent quoi.
Je lui ai rasé le slip, à mon avis, j'ai dû toucher ses parties génitales. C'est ça qui a dû le déstabiliser. Donc au niveau de la hitbox, je pense qu'il y a... Ça doit vouloir dire qu'au niveau de ses coronets, là, la hitbox ne les prend pas en compte. En fait, c'est des coronets cadeaux. C'est du bonus. Donc là, voilà, là, j'ai sauvegardé parce que... J'ai fait une pause, en fait, là, c'est, vous voyez maintenant d'une traite, mais je me suis... Tiens, quand j'ai eu ça, j'ai pas fêté le pays. Voilà, j'ai fait péter le champagne, voilà ce qui se passe. Là, j'ai vraiment... Je suis détendu du pantal, du short. Je crois que j'ai bu un coca, un truc comme ça. Hein. C'était une épine de moins dans le pied. Et en plus, on se rapproche un peu. Quoi. Au moins, on est arrivé au monde 8-1. Quand même, je suis déçu d'avoir utilisé la warp zone. Là, mais j'ai pas fait exprès quand j'ai utilisé. C'était pas... Encore le bruit bruitage de Starwing. J'ai pas réécouté Starwing, mais je suis sûr que c'est le même bruitage, quoi. Peu ou prou. Putain, mais là, les erreurs connes, c'est pas possible. On arrive à passer un niveau, et là... Là, c'est des trucs tout cons, c'est un petit peu la base, qu'on revient... Des passages qu'on doit normalement maîtriser au bout d'un moment, quoi. Au bout de 40 ans de vie commune, on devrait y arriver, quoi. Putain, là, c'est pareil. Elle m'a transpercé alors qu'elle a bien rebondi le mur. Là, il faut gérer parce que des fois, ils en envoient deux en même temps et on peut être pris en sandwich. Il faut faire un petit saut. Bon, là, c'est assez facile à passer. Si on a en fait... Putain, je sais même pas qu'on pouvait passer par-dessus. Là, j'ai fait n'importe quoi. Bravo! Là, en fait, il y a la carapace. Là, moi, je vais appeler ça un scarabée. Hein. On a un gros scarabée qui va nous servir d'arme pour tuer le frère marteau. Là, c'est assez sympa de faire ça, quoi. C'est cool. Bravo, voilà. Ouf, je me suis rattrapé. C'est bien d'avoir... Je sais pas si c'est un bug ou si c'est vraiment une volonté de dire ben, une fois qu'on a le bonus, on peut l'orienter en cassant des briques. Ça, c'est super, ça. C'est un truc qui vieillit pas, quoi. Ouais, là, hop, il fallait sauter à... assis pour passer entre les deux. Par contre, si tu envoies la carapace alors que il était en train de sauter, le frère marteau, tu t'es fait niquer. Là, c'est pareil, en fait, il faut s'avancer pour qu'on voit le décalage, mais j'ai mis du temps pour comprendre. Spécial dédicace à Patrick Fury. Après, c'est que voilà, on veut aller trop vite parce que ça nous gonfle et on sait avoir connement, quoi. Ça, c'est pénible. Hein. C'est les erreurs, comment on dit, les erreurs de débutante. Hein. Là, c'est pareil, c'est salaud. Ils sont bien placés, quoi. C'est deux coupables parce que, voilà, il faut faire quoi. Hop, ils servent dans un sens à rien, mais ils sont placés juste au moment où, de toute façon, ils savent que quand tu vas avancer et que tu vas vouloir attraper le champignon, mais voilà ce qui se passe. Ça, c'est super bien vu, quoi. C'est assez salaud. C'est un jeu. Et non, j'aurais dû. Là, ce qu'il faut, c'est s'avancer au bord et après reculer et prendre l'élan à partir du tuyau. Et c'est après, c'est super simple parce que comme ça, on peut voir le Koopa qui vole quand il est à la bonne hauteur. Ça qui est bien, c'est un jeu qui allie le côté mignon et le côté technique, quoi. C'est des petits éléments là, que c'est le comportement
voilà, il vient nous rebondir dans la tronche alors que l'écran n'est pas là. Il est en dehors de l'écran, voilà, c'est nickel ça. Voilà, et là on peut le voir. Et non, mais là j'ai fait n'importe quoi, là, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Alors, c'était quelqu'un d'autre qui jouait à ma place, mais là c'est n'importe quoi. Là, j'avais le match en main. Et les clés en poche. Et voilà, je vous ai dit qu'ils étaient super bien placés. Là, on est passé par en dessous, nickel. Là, j'ai pas fait exprès, c'est que des fois j'appuie. Comme je laisse toujours le bouton Y appuyé, des fois, comme je. Comment dire ça? Oui, j'ai le pouce appuyé sur le bouton Y. Et en fait, avec la moitié du pouce, j'appuie sur le B. Et des fois, ben, du coup, j'appuie pas comme il faut parce que c'est pas avec un doigt, c'est avec la moitié du. Le milieu du doigt, quoi, si vous avez compris. Donc, pour ça que des fois, j'appuie pas sur les. Je saute pas. Et donc là, ça m'a aidé, quoi. C'est d'une erreur, en fait, j'ai pu passer par en dessous. Voilà, c'est tout bête. Et voilà, en fait, non, il faut. Et non, parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Il fallait aller tout à gauche. Il faut être avant le plein. Avant le tuyau. Là c'est salaud quoi, on dirait qu'ils ont fait exprès, c'était pile le bon timing. Bravo. Alors qu'il est pas si difficile là le niveau, c'est juste que je sais pas. Et bravo, putain, fais chier. On a entendu passer une mouche. Oh putain, mais c'est pas possible. Putain, on gaspille connement des vies là, c'est chiant. Ça fait un peu penser là, c'est des expériences, on croirait quand on fait des expériences avec un chimpanzé et qu'on essaye de voir où, un rat, on lui fait. Pour voir comment il va réagir au truc, je veux dire, c'est tellement. Je me suis senti comme un rat de laboratoire, quoi. Et putain, il me colle au slip, lui. Je vous dis, là, il commence à être plus collant, quoi. Ils vont plus vite. Et comme j'étais habitué au schéma des autres niveaux où il avance lentement, là, je me suis fait niquer. Par devant. Et bravo, putain, ils ont fait exprès de le mettre là. Putain, je me suis dit, c'est bon, je passe sous la piranha là, et je me fais niquer par le marteau. Alors ça va que les musiques sont pas agressives parce que c'est tellement là dans la répétition que on pourrait se taper la tête après. Là on comprend, on peut remercier ces musiques, vous voyez, c'est tellement. Ça me fait penser un peu à Bob l'éponge. Quand vous voyez Bob l'éponge qui vous fait un sourire tellement niais, même quand il dit conneries, vous pouvez pas vous exciter avec quelqu'un comme ça. Donc là on peut remercier l'ambiance. En fait. Eh putain, c'est pas possible. Le contraste est bien vu quand même, malgré tout.
Super, c'est super dur, mais ça reste une ambiance sympa. Ben oui, mais ça s'explique aussi parce que sinon, si c'était des musiques agressives, trépidantes, nerveuses, je pense qu'au niveau du cardio, au bout d'un moment, on tiendrait plus, quoi. En fait, il faut pas chercher à sauter dessus. C'est des fois, on se dit merde, on veut tous les dégommer, mais au final, on se fait avoir. Putain, j'ai loupé le carapace. Et allez, on perd une vie comme un con. Et on perd la transformation là. Puis là, on se dit tant, on va sauter au bon moment, mais il y a la plante qui va arriver. Mais putain, on est passé. Eh, mais là, je fais comment? Il m'arrive au bord. Comme on va aller vite, on se dit on va aller s'occuper de ces cons, et en fait non, il faut pas. Et alors, le truc que j'adore, c'est quand il faut rebondir sur les coups pas, mais que tu te trompes et que tu laisses pas appuyer, du coup tu fais un petit bond de merde et que tu te colles au mur. Ça j'adore, ça a vraiment l'air con. Putain, là j'ai été chanceux. Ouais, elle sort encore alors qu'on est à côté quand même. C'est vrai que des fois j'ai pas compris, des fois on dirait que il faut être à... quand on est à proximité, bon ben elle voit qu'on est là donc elle sort pas, mais des fois non, elle sort quand même. Quand tu veux tu sautes, mec. Eh ben putain. Et allez, bon là on sacrifie. Après on sait pas ce qu'il y aura après, il y a encore un enculé. Non, on sait jamais. Puis là j'ai du cul. Alors, on s'en fout des pièces, c'était pas un défi de son de score, c'était au moins finir le jeu quoi. Voir la fin d'un jeu dans sa vie, parce que j'aimerais bien quoi, au bout d'un moment c'est pénible. Putain, là j'y crois pas, au final c'était assez facile la fin. Il y avait juste les deux coups pas là. Finalement le plus dur était au début, après ça pouvait aller. Après on gérait sa mère, ça pouvait marcher. Là, je suis à deux mondes de la fin là. Ouais, les pièces ça sert à rien, mais j'adore le bruit quoi, c'est... C'est un peu comme quand les chiens voulaient leur faire des affaires, non, quand vous voulez les... Oh putain, j'y trouve même pas le mot. Les dompter, là, oh putain, j'ai même pas le... Wouhou! Youhou! Quand vous voulez élever vos chiens, moi je trouve pas... Les dresser, mais putain, le vocabulaire. Quand vous voulez dresser les chiens, il y a le système du bruit, là. Il faut soi-disant leur faire clic-clic avec la machine. Ben là c'est un peu pareil quoi, il y a des bruitages qui sont tellement additifs, c'est comme une récompense quoi, genre ce ch'tac. C'est comme si une clapette, j'adore le clac quand on rebondit sur les gombas. Le bruit des pièces aussi, c'est des bruitages, on a envie rien que de pouvoir entendre le bruit. Allez, plouf! Rien que le bruit ça donne envie de prendre des trucs, alors comment ça sert à rien là. Superbe. On peut juste regretter que finalement il y a la diversité des ennemis. Comment dire ça? Ils ont... Le peu d'ennemis qu'il y a, pensez, ils sont représentatifs de... Ouf. Ils ont, on va dire, un gameplay ou un comportement spécifique. Bon, c'est ça qui est bien. Hein. D'avoir pensé qu'une tortue pouvait voler avec des ailes, bon,
Elle, c'est toujours le vol vertical ou alors l'horizontal. Allez, encore ça, je supporte pas. Bon, là, ça va quand c'est deux. On peut gérer les deux. Voilà, là, ça j'aime bien passer ça. Mais c'est quand vous verrez plus tard le niveau d'après où... en fait, quand il y en a deux qui sont prêts, qu'on est pris en sandwich, là, c'est super dur à gérer, quoi. Bon, là, ça ne se retrouvera pas à grand-chose. Sauf qu'en fait, ça nous fait revenir au début. Et là, c'est pareil. Donc, on se dit, c'est bon, ben, c'est encore un niveau à énigme. Moi, je pensais que c'était que les niveaux de château, il y a des énigmes. En fait, si même maintenant, un niveau normal, il se met à nous faire ça... Déjà que là, j'ai eu du mal à passer ces obstacles, c'est-à-dire que je vais perdre deux fois plus. Oui, je disais, voilà, les ennemis. Le seul reproche, c'est que... d'un côté, chacun a un comportement, donc... il n'y a pas trop de swap color. Le vert, il fait que le reste au sol, bon... l'un saute, l'autre pas. L'un, il se transforme, ça devient une arme, ainsi de suite. Mais du coup, quand on repasse un niveau 8-1, gère tous les niveaux 8, tous les niveaux 1 ou 2, c'est à peu près pareil, quoi. C'est le même environnement. Et donc, on retrouve les mêmes ennemis. Il y a ceux que là qui tuent en voie avec les pics, bon. Mais peut-être, je sais pas. Bon, ça qui est bien, c'est que c'est tous ces ennemis-là, il n'y en a pas un, deux, trois, un qui sert à rien, quoi. Ils ont tous une utilité, tous une fonction précise, spécifique. Hein. Donc chacun est quasiment culte, on peut dire. On les oublie pas, quoi. Les coups pas trop pas, ça a marqué, quoi. C'est bravo. J'ai joué comme une étoile, là. Voilà, donc ça qui est bien. Mais bon, après, c'est vrai que quand on joue beaucoup, quand on se retape 56 fois le même niveau pendant une demi-heure, c'est que ce qui aurait fait plaisir, après, c'est d'avoir un peu de petite variation, même si c'est même... Putain. Un même personnage, un même type de personnage, faire quelque chose qui change un petit peu. On retrouve à peu près de la même famille ou du même pédigré, si on parle en tant qu'animaux. Même si moi j'aime pas le côté pédigré, ça fait aucun rapport, mais bon. Quand des fois ils montrent les gens, ces gens qui aiment les animaux, au lieu de dire ben, j'ai choisi ce chien parce qu'il m'a touché quand je l'ai vu à la SPA, il était rigolo, voilà, il m'a plu. C'est toujours assez un bon pédigré, il est rare, c'est un truc, c'est pas un jeu vidéo quoi, tu vas pas dire j'aime ce jeu parce qu'il est rare, t'aimes ce jeu parce qu'il te plaît quoi. Qu'il soit rare ou pas, t'en as rien à foutre, ben bon, l'histoire des pédigrés ça m'a fait penser à ça. C'est comme les gens aussi qui te disent les chevaux, oui j'ai créé cette race, ça veut dire quoi ça? De l'eugénisme quoi, ça craint quoi. Tu t'en fous que tu vas créer un cheval. À la rigueur, oui, j'ai créé cette espèce de rose, oui, bon, j'ai fait un croisement, bon. Mais alors avec un animal, j'ai créé putain, super quoi. On voit qu'elle aime les animaux, la nana. Bref, là en fait, le passage secret, c'est que je l'ai passé quoi. Le passage en fait, c'est qu'il faut il est assez... Donc c'est un niveau très simple celui-ci. Voilà, c'est là, c'est le seul bloc qui est au-dessus du Koopa. Il faut le taper et du coup ça va faire apparaître une plante quoi. Une liane plutôt. Le problème c'est qu'il faut réussir à sauter sur lui le bon moment. En fait il faut rebondir sur lui plutôt. Taper le bloc et en fait pouvoir revenir sur la terre. Et c'est ça qui est chiant. À exécuter quoi. Il faut le bon timing et on sait... On n'a pas vu l'emplacement et bien vu parce qu'on n'a pas assez de place. C'est assez tendu du slip. Donc, et en même temps, c'est la seule difficulté quoi. Donc c'est un niveau dur dans le sens où il faut avoir compris, arriver à placer. Mais après, une fois qu'on a réussi à le placer, bon ben il n'y a que ça quoi. Il n'y a qu'une difficulté. Bon, ça un peu, mais bon, j'ai fait n'importe quoi. La grosse difficulté, il n'y en a qu'une. Donc c'est un niveau qui est finalement assez rapide. Mais quand on découvre un jeu, ben voilà. Là je vous dis, j'allais pas tricher, vous montrer que la fois où j'ai réussi. Parce que ça sert à rien, vous regardez une speedrun ou une perfect run ou je sais pas quoi. Là, le but c'était de voir si un joueur mauvais pouvait finir un jeu quoi. Donc on monte les errances. Et non, voilà, là je suis con, j'ai pas laissé appuyer quoi. En vrai il faut taper sur le...
Ah, là c'est pareil, un petit. J'ai pas totalement sauté par-dessus lui et en fait ça l'a. Voilà, et là. Après j'ai cru qu'il y avait des blocs sur la droite, mais non. On recommence, c'est pénible ça. Je sais pas pour. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'est pénible là. J'aimerais bien réussir à passer le niveau quoi. Je sais plus quand j'ai réussi à le passer, mais. Vous voyez là, on est au 8-2. Il reste encore une demi, non, 20 minutes là de vidéo. Sachant qu'il y aura encore une quatrième partie. Et là, ce sera la dernière et qui dure quasiment une heure aussi. Donc, ça vous dit le nombre de temps que j'ai passé sur ce niveau, quoi, ou sur l'autre. C'est un truc de taré, quoi. Il y a des jeux où tu finis le jeu en une heure, et d'autres, rien qu'un des niveaux du jeu, tu tapes une heure, quoi. Après la difficulté du truc. Donc en fait c'est une économie de moyens, c'est pour ça l'histoire des jeux c'était mieux avant ou pas. Le truc qui était mieux avant c'est que il y avait une économie de moyens, c'était efficace quoi, il n'y avait pas de. Le niveau celui-ci il avait pas besoin d'être de faire 3 km de long, ça servait à rien. Le but c'était le concept fort. C'est on va dire là ça a été des. Ils ont inventé un truc quoi, c'est une histoire de classique, de. Voilà, il fallait trouver, il y avait une énigme, voilà, c'est un jeu de plateforme, il y avait l'énigme à trouver. Et merde, voilà. Voilà, c'était. Il n'y avait pas besoin de mettre trop d'effets, quoi. C'est pas comme. Je veux maintenant où il y a tellement d'effets qu'on sait même. On est habitué, quoi. Tout est banalisé, il n'y a pas de moment de fort. Il y en a tellement, c'est à gogo que bon, il n'y a plus trop de. Il n'y a rien qui ressort, quoi. Tout se vaut, quoi. Donc ils peuvent en mettre beaucoup et en même temps ça se finit rapidement. Là il y a très peu de moyens dans un sens et en formant à l'efficacité, à l'économie. Mais vu que c'est le concept est fort, le level design est nickel, ben, ça marque plus ses esprits. C'est comme on dit avec Christian la WWE, un instant classique. Voilà, c'est ce qui. J'ai trouvé enfin et voilà ce qui se passe, c'est qu'il fallait vraiment bien rebondir au truc. Non, il fallait bien rebondir au bon moment, mais putain, je sais même plus parler moi. Donc là, j'étais content le chien, j'avais trouvé enfin la l'énigme parce que j'étais pas sûr, hein. Des fois c'est chiant quoi. Ça enlève déjà une énigme du pied, on a enfin compris ce qu'il fallait faire. Bon après maintenant il faut réussir à l'appliquer. Vous voyez là il faut sauter et non putain. Parce qu'en même temps il faut toucher il faut sauter vertical et pas trop sur les côtés pour toucher le bloc. Mais si on saute trop vertical on va retomber à la verticale et après on va retomber. Il faut retomber sur la corniche quoi, il faut passer de l'autre côté. Bravo, voilà, là c'était les. Pour juste voir. Donc tout a été pensé quoi, c'est. Putain, elle est partie vers la gauche, alors je vais qu'elle parte vers la droite. Putain, mais. Et après le deuxième reproche c'est au niveau de. Mais bon ça c'est déjà pas mal ce qu'ils avaient fait, c'est au niveau des. Pareil pour les que les ennemis c'est pour les décors. Ce décor là on le quand on est dans le 2-1 ou 2-2 ou 3-2 ou 4-2 que sais-je, c'est le quasiment hein, ben, je crois. Hein. En tout cas visuellement on voit pas trop de variations quoi, c'est le on dirait le même monde, il y a juste le numéro qui change et les éléments de plateforme, mais je veux dire le décor en lui-même en arrière-plan, il change pas. En tout cas, moi j'ai pas trop l'impression donc. Mais j'espère me tromper, j'aimerais bien qu'ils aient quand même, tout en gardant les mêmes motifs, qu'ils aient quand même fait des petites variations. Euh.
Ah ben putain, ça y est, on a réussi. Là, il manquait plus que je casse le bloc, comme ça, j'aurais même pas pu avoir accès. Donc là, ça va, une fois que j'ai compris, j'ai pas mis trop de temps à exécuter, arriver à exécuter la solution. D'accord. Ah ben là, il manquait plus, ouais, que... C'est pas une partie bonus, là, je pensais que c'était la partie bonus avec le scrolling... Là, il fallait pas se manquer. Bon, là on avait encore, c'était facile parce que la plateforme d'envol était assez longue. Mais si c'était juste un carreau, là c'était vraiment salaud de leur part. Voilà le fameux monde de 8-3. Là je m'étais dit, bon, ça y est, on est à l'avant-dernier, ça va être bon. Vous allez voir ça, c'est le truc de. Déjà là, je sais que j'ai perdu, que je pourrais pas avoir accès. Là, je sais que c'est fichu quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ah non, c'est passé, bon. Et ce qui est bien aussi dans Mario Kart, aucun rapport, mais c'est que là qui tue, en fait, les méchants, après ils deviennent gentils, c'est ça qui est cool. Alors qu'à l'époque, ils nous faisaient peur, quoi. Surtout ceux-là qui tuent, c'était presque. J'ai l'impression que c'est. Ouf. Qu'il était invincible, quoi. Que c'était. Putain, c'était chiant, alors qu'en fait, non, on peut le tuer. Je crois qu'à l'époque, j'avais même pas réussi à le tuer, je savais même pas qu'on pouvait lui sauter dessus. Il me faisait trop peur, quoi. C'est le truc qui presque paralysait, quoi. Moi, je sais qu'à l'époque, il m'avait beaucoup impressionné. L'enculé. Alors qu'en fait, il est abordable, quoi. Et c'est dommage, d'ailleurs, qu'il soit pas un personnage jouable dans les Mario Kart. C'est vraiment un qui manque, quoi. C'est déjà l'espèce de magicien bleu. Je sais qu'il est celui-là qui devait... Il était prévu dans la version test de Mario Kart 64. Et c'était cool d'avoir... Franchement, il manque aussi de... Je sais pas s'il est sur la version DS, 3DS qui va sortir, là. Songez pas à la 3DS. Mais... Donc c'est un personnage qui manque, ils ont pas exploité, c'est là qui tout. Parce que oui, bon, c'est lui qui lance le départ, mais... Il doit avoir... Tous les Koopa Troopa, ils ont un frère, je sais pas, une sœur, un cousin. Pourquoi lui, l'Akitu, ou alors l'Akitette, la copine de l'Akitu, ça aurait été cool, quoi. Ça, c'est un terme générique, quoi. C'est une espèce. Il y a le l'Akitu, il y en a plusieurs, j'imagine. Donc, il peut y en avoir un qui sert à la course. À moins que ce soit une espèce qui représente, en fait, le côté arbitrage, donc la neutralité... C'est pour ça qu'ils veulent pas qu'ils soient dans la course, ils veulent qu'il soit toujours quelqu'un qui soit neutre. Putain, j'ai été trop loin. Bon, donc ça se peut se comprendre, quoi. Ça peut être logique au niveau de la diégèse s'ils veulent. Putain. S'ils veulent. Oui, le personnage sera toujours quelqu'un de neutre, et il sera toujours l'arbitre, le caméraman, voilà, quoi. Il fait partie du. Et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Je sais plus s'il y est dans... en tant que le même, genre en ce rôle de méchant, dans New Super Mario Bros. Wii. Putain, là c'est parce qu'en fait je laisse toujours appuyer sur le bouton de course. Donc je vous dis, c'est chiant à gérer la distance, quoi. Parce que j'ai trop le réflexe de toujours laisser appuyer sur course. Même quand je bouge pas, j'ai le bouton de course appuyé. Donc là, vous avez vu ce passage, j'ai pu le passer. Vous allez voir que par la suite, j'ai pas compris pourquoi, pendant un bon moment, j'arrivais plus à le passer. Ça, c'est le truc foutré des baffes, quoi. Putain, là, c'est cool. Regarde-moi ça, putain. Là, il colle vraiment, quoi. Plus les niveaux avancent, ou plus si tu colles au slip. Putain, on oublie ça. Parce qu'à chaque fois, on saute quand il nous tourne le dos, donc on sait qu'au niveau de la hitbox, on va lui sauter par le cul, sur le cul. Mais comme il se retourne au dernier moment, et que là, c'est sa tête qu'on a tiré sur sa tête qui est plus haute que sa carapace, et ben du coup là on est bouffé.
On s'y cherche quand même qu'il n'y ait pas de RL là pour faire avancer l'écran là. Genre c'est... Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu moi. Mais bon, ça c'est pas vraiment un défaut quoi, c'est juste pour pinailler un petit peu, mais... Je vous dis, il n'y a pas de défaut à ce jeu. C'est juste des petits détails, si on est coupeur de cheveux en 4. Hein. Faut toujours trouver des trucs à redire, mais... Plus Super Mario All-Star, on le trouve souvent quand moi je sais qu'en vide-grenier. Putain. Je sais qu'en vide-grenier, je le vois souvent ce jeu, quoi. Donc il est très abordable. En fait, j'y jouais pas parce que je me rappelais plus qu'ils étaient remasterisés, quoi. Et comme à une époque, c'est que les Mario, je trouvais ça trop vieillot, je veux dire les premiers là. J'avais complètement zappé quoi. Alors qu'en fait non, ils sont cool, même le Mario 1 il est cool quoi. Là par contre ce qu'il faut faire, mais c'est après c'est plus dur, voilà. C'est se réussir à... En fait le mieux c'est d'atterrir sur le Koopa quand il est sur le bord droit de sa plateforme. Là j'étais tout content, je me suis dit c'est nickel, j'ai passé ce con. Et après vous allez voir ça. On s'est dit... Mais après... Ah aussi, ça c'est chiant ça. Là faut pas gaspiller des billes. Là je me dis ouais, et là, oh putain. Voilà, c'est là où je dis, là comment tu fais? Là c'est impossible. Les deux là, comment tu fais pour le... Il te resserre, il n'y a pas d'espace entre les deux quoi. Parce que quand tu prends l'espace entre le marteau qui tombe en cloche et le frère marteau, il y a un espace entre les deux. Mais si le marteau qui est lancé par l'autre, celui de droite, ça tombe en plein milieu de cet espace, et ben là, tu peux plus bouger, quoi. Ça, c'est un peu la partie shoot 'em up de Mario, je trouve. Quand on doit éviter les Koopas là. Donc c'est un jeu, c'est... Il y a tout quoi, il y a la plateforme, il y a du shoot, côté shoot 'em up. Faut éviter... Comment éviter des boulettes, quoi, éviter des projectiles, voilà putain. Il y a le côté énigme aussi. Ouais parce que je vous dis là, les cartouches de Mario All-Stars, j'ai dû en avoir une dizaine, quoi. En vide-grenier, j'en ai déjà revendu 4, je crois. Et puis des fois, j'en prends pas. Je les prends que quand elles sont dans le lot. Et là, je me suis loupé. Ce qu'il faut, c'est... Je veux dire... Oh, putain, j'ai sauté trop haut, là. J'aurais pu sauter par-dessus le... Je sais pas comment on appelle ça, le crabe. Putain, mais ça fait 10 fois que je me le prends, ce truc, hein. Là, ça fait 1h, 53 minutes pour avoir passé un niveau. Je dis pas le truc, quoi. On est à un niveau de la fin, et on passe 1 heure pour passer 2 niveaux. Putain, et merde, je voulais l'envoyer vers la droite. Et là, tu fais comment, là? Et putain, là, tu peux... Oui, je suis con, là, j'aurais dû sauter par-dessus l'Akitu. Et là, c'est quand on s'est dit, putain, j'ai passé la difficulté, mais vu que là, il n'y a plus de checkpoint, comme vous avez pu remarquer, mais au bout d'un moment, à partir, je crois que c'est du niveau 4, il n'y a plus de checkpoint à l'intérieur du niveau, et bien on doit se retaper tout ça, quoi, c'est chiant. Faire c'est chiant, non, c'est bien, comme ça rallonge la difficulté, mais... Une fois qu'on a fini le jeu, on doit se dire, putain, c'est cool, voilà, bon, après, c'est pour ça rajoute un niveau de difficulté. Mais quand c'est la première fois qu'on fait, et qu'on se dit, putain, on va y jamais arriver à finir ce jeu, c'est chiant, quoi. Je crois que c'est à partir de là où je vais plus réussir à passer, je sens. Ah non, ben c'est après, vous verrez. J'ai pas trop compris. Pourtant, je fais toujours pareil, mais... Chut. Là, j'ai quasiment plus capté l'Akitu. Il y a quand même des petits bugs, et vous voyez que l'Akitu, il disparaît.
ça le fait souvent, c'est qu'on le voit plus. On voit plus que le nuage, quoi. Pourtant, je... alors que techniquement, il n'y a pas grand-chose, là, c'est pas... C'est pas trop surchargé en éléments. Là, j'attendais qu'il se casse, parce que comme après, il y a le fer marteau. Ça fait un... C'est déjà au... Oh, putain, c'est con, ils sont toujours là, assis au sol. Ouais. Et ouais. Putain, ils m'ont suivi, quoi. Ça, c'est salaud. Ah, j'y croyais que j'avais passé le truc, et non. Après, c'est les petits éléments qui ralentissent exprès. Bon, c'est ça qui est bien. Alors, est-ce que c'est là? Je me spoil moi-même. Putain, là, j'ai sauté, je sais pas comment j'ai fait. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Nickel, allez, casse-toi. Alors, des fois, on a l'impression qu'il est plus loin, le deuxième. Du coup, on a le temps de voir les choses, on a le temps de se placer. Mais des fois, on dirait qu'il réplique à la rescousse du premier frère marteau et du coup, on n'y arrive plus. Là, j'allais petit à petit, parce que je savais plus s'il y en avait un de frère marteau. Voilà, là on fait comment là? Putain, vous avez vu ça? Au lieu d'en d'habitude, ils en envoient toujours un et ça retombe toujours au même endroit. Mais là, il a fait un petit décalage, ce qui fait qu'il en a envoyé deux. Et les deux sont tombés en même temps. Et là, on pouvait plus parce qu'il n'y avait pas d'espace entre ces deux et entre lui. Il n'y avait même pas l'espace d'un Mario. Ça, d'un coup, il change un petit peu et ça casse la routine. C'est salaud ça. Ah, et là, j'ai pu passer sans. Et merde, là, voilà. Putain, et là, c'est là que j'ai compris qu'on pouvait en fait les passer tout connement. Il n'y avait même pas à se prendre la tête, vous avez vu ça? Ça va m'aider pour la suite, parce que là, j'ai même pas compris ce que j'ai fait, pour comment j'ai pu sortir ça. Et en fait, j'ai vu que c'était tout con, voilà. Et hop, niqué, là. Là, j'ai niqué les frères marteaux. Et là, je me suis fait bien niquer. C'est ça qui m'a gonflé aussi, c'est que là, j'avais bien réussi à les passer. Et après, là, quand je vois ça, je me dis, mais comment tu fais après? J'ai pas trop compris quoi. Le temps de... Après, t'as ça qui te tourne dans la tête. Tu dis, mais putain, la prochaine difficulté, on fait comment? Mais après, faut-il déjà arriver à nouveau à passer ce cap quoi. Et là, regardez-moi ça. Ah non, c'est après, putain. Putain, mais alors, j'ai passé combien de temps sur ce niveau? Parce que j'ai le souvenir qu'après, j'ai une phase où j'arrivais plus à passer le début. Voilà. Là, j'ai compris, j'étais content. Je me suis dit, c'est bon, maintenant, je vais pouvoir réfléchir à la nouvelle énigme du jeu, quoi. Bon, déjà, il faut réussir à passer ça. Là, je lui dis, voilà, on change pas une équipe qui gagne, même si le deuxième saut était un peu trop court, je trouve. Ah, putain, là, j'ai eu de la chance. Quoi. Je lui ai dit, comment on fait? Par contre, après, là, le plus dur, voilà, c'est de sauter et hop, pour arriver. Donc, il faut aller vers la droite, parce que vers la gauche, c'est impossible. Et merde, là, voilà, bon... On y arrive. Et là, voilà, là c'est chiant. Est-ce qu'on va réussir? Ah non, là c'est bon, oui. Et merde, là on a passé le plus dur. Regardez-moi ça, on voit le bout du drapeau à droite. Là, c'est un dernier moment où je me suis énervé, mais j'étais. Ça m'a gonflé, quoi. Et bon, moi j'étais content, j'étais à. Je voyais la fin du niveau. Je voyais. Quand on voit toutes les difficultés, après on. On voit un peu c'est l'effet, on voit le bout du tunnel. On sait que c'est quand même à notre portée, que bon. Et merde, je voulais pas sauter par-dessus pour après le pousser vers la droite. Voilà, et là, je m'étais dit, putain, ça y est, j'ai compris la technique, il faut sauter sur la qui tue pour rebondir, aller plus loin. Mais là, cet enculé, il m'a envoyé le... Il en a envoyé un, d'ennemis. Bon voilà, on arrête cette partie-là, c'est la partie 3. Il y aura la partie 4 juste après. Alors je vous dis ciao Pepito pour une prochaine vidéo. A tout de suite mes truites.